Et yo tout le monde, c'est Thesis Maker, je suis très ravi de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité sur Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 nommée God Mode, ou alors Mode Dieu en français. Donc qu'est-ce que ça va nous permettre? Donc c'est comme tout simplement un super panneau de configuration. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les fonctionnalités de Windows, donc toutes les configurations qu'on peut y mettre. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu près tout ce qu'il y a. Vous voyez, il y a vraiment tout. Donc hop, je vais le quitter. Donc je vais le supprimer pour tout vous montrer. Donc pour y avoir accès, il suffit de faire un clic droit sur le bureau, de faire nouveau et d'aller sur dossier, tout simplement. Ensuite, vous allez tout simplement ici renommer comme ceci, c'est-à-dire que vous collez ce qu'il y aura dans la description. Donc ce sera un petit code que vous aurez tout simplement à coller. Donc ensuite, après, avant le point qu'il y a ici, vous allez tout simplement mettre le nom. Donc moi je vais mettre Thesis Maker pour que ça fasse un tout petit peu mieux. Voilà, et enfin je fais entrer. Voilà, donc ça va nous créer un petit icône, un peu comme d'ailleurs le panneau de configuration, hein, c'est le même icône, sauf que là on aura vraiment toutes les fonctionnalités. Alors maintenant il suffit de double-cliquer sur la nouvelle nouvelle icône qui apparaît et contempler vos nouvelles fonctionnalités, affichage, maintenance, contrôle des barres de menu, partage, contre, indexation, paramètres système, contrôle parental, etc. etc. Attention, il semblerait que le God Mode pose problème aux utilisateurs de Vista 64 bits. Donc j'ai oublié de vous en parler avant. Donc ça peut poser problème aux utilisateurs de Vista 64 bits, tout simplement. Donc vous verrez. Hein. Alors oui, donc là, vous pouvez tout simplement aussi soit retracter tout simplement vos fenêtres en faisant ça. Soit hop, voilà, tout simplement pour ranger. Donc voilà, hop, il suffit de tout simplement, voilà. Si vous voulez que ce soit bien rangé, hein, hop, hop, voyez, vous cliquez sur la petite flèche bleue, et voilà, il suffit de tout simplement. Donc voilà ce que c'est un petit God Mode. Donc voilà, vous avez, en fait, devenez Dieu, comme c'est précisé sur la miniature. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, alors aussi, je tiens à préciser que la série que je suis en train de faire pour les coups de gueule, n'hésitez vraiment pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo. Donc là, il y aura une annotation qui apparaît pour accéder à la vidéo. Donc ma nouvelle série qui est un coup de gueule, n'hésitez pas à me proposer des coups de gueule. Donc comme je vous dis, c'est vraiment des coups de gueule sur n'importe quoi, que ce soit la hausse des prix sur internet, que ce soit les arnaques, que ce soit la vente des lunettes, le prix des orthophonistes, le prix des, voilà, de n'importe quoi. C'est vraiment tout ce que vous voulez, même que ce soit les dislikers, même les trucs quotidiens des journées, par exemple un pot qu'on n'arrive pas à ouvrir, vous savez, le fameux pot de confiture qu'on n'arrive pas à ouvrir, etc. etc. Voilà, proposez-moi des petites choses et moi je verrai par moment. Donc où il y aura, en fait c'est très simple, il faudra commenter, et quand je verrai qu'il y aura des gens qui commentent, qui voteront pour les commentaires, ben le plus, ben c'est donc sur ça que je ferai le coup de gueule. Et suivant quand je le ferai, ben je ferai le coup de gueule tous ces jours-là. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Allez, salut.